Bonjour, chers frères et sœurs, dans la foi. Aujourd'hui, nous allons évoquer une problématique particulièrement délicate pour les enfants de Dieu que nous sommes. Il s'agit de la question des rapports entre le chrétien et les traditions ancestrales. C'est une thématique qui pose un certain nombre de questions identitaires, comme vous le savez, car tout individu a besoin d'une identité pour s'épanouir. D'ailleurs, tout développement durable et véritable ne peut se faire que lorsqu'il est assis sur un socle culturel solide. De nos jours, dans le monde évangélique comme ailleurs, beaucoup de panafricanistes clament à corps et à cri qu'aucune nation ne peut se développer en s'appuyant sur une langue ou une culture étrangère. Évidemment, nous avons effectivement les exemples des pays asiatiques qui ont su se développer en alliant tradition et modernité. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on entend par tradition ancestrale? Les traditions ancestrales constituent un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, d'usages, de coutumes transmis oralement sur un long espace de temps. La question que nous évoquons aujourd'hui est d'une acuité profonde et d'une actualité brûlante. Parce que les religions traditionnelles africaines, d'après les travaux réalisés par des universitaires africains, comptent entre 100 millions et 200 millions d'Africains, soit 70% des adeptes dans le monde et 12% de la population africaine. L'Afrique compte aujourd'hui 45% de chrétiens et environ 40% de musulmans. Ces religions traditionnelles africaines sont définies comme un ensemble de religions autochtones historiquement pratiquées en Afrique subsaharienne. On enlève les religions abrahamiques, notamment. Une grande partie des Africains sont donc considérés soit comme musulmans, soit comme chrétiens, quoique leurs pratiques sont encore largement influencées par les croyances traditionnelles. Dès qu'un Africain se retrouve dans une situation périlleuse, dit-on souvent, il va voir le féticheur. D'où cet aphorisme, 50% chrétiens, 50% musulmans, 100% animistes. Voilà l'intérêt de notre étude. La foi chrétienne ne s'accommode cependant pas d'un syncrétisme quelconque. De ce point de vue, le défi du christianisme en Afrique est le même partout dans le monde. C'est la question des rapports entre l'évangile et les autres formes de croyances traditionnelles. Sous ce rapport, je voudrais que nous puissions lire ce que l'apôtre Paul a écrit lorsqu'il est arrivé à Athènes. La Bible nous dit, c'est plutôt Luc qui rapporte ce fait, en Actes chapitre 17, il dit ceci à l'Aréopage à Athènes. Actes chapitre 17. Il dit, « Ô hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il en avait besoin, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car
En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Le problème se pose donc à toutes les sociétés et pas seulement aux sociétés africaines. En son temps, l'apôtre Paul devait secouer les fondements des croyances des Athéniens, donc des Grecs. De même, lorsque nous lisons la première épître aux Thessaloniciens, la Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, je commence au verset 6. Il est écrit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Oui, chers frères et sœurs, il est évident que toutes les sociétés dans lesquelles l'Évangile est arrivé ont été confrontées à ce défi des rapports entre les rites, les cultes, les croyances, les religions traditionnelles et l'Évangile et le christianisme. Et d'ailleurs, je dirais que le peuple d'Israël lui-même a été confronté à ce défi. Lorsqu'il sort de l'Égypte, le livre des Actes des Apôtres dit qu'ils avaient servi des idoles en Égypte. Souvenons-nous qu'ils avaient passé plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et quand ils arrivent dans le désert, au chapitre 32 du livre d'Exode, ils vont fabriquer un veau d'or, c'était de l'idolâtrie. Et on voit que dans la suite des temps, surtout lorsqu'ils sont entrés en terre promise, ils seront influencés par les cultes, par les rites, par les religions qui étaient pratiquées par les Cananéens. On parle généralement des Baals et des Astartés. Du temps du prophète Élie, par exemple, nous savons qu'il avait lancé un défi aux 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, qui servaient des idoles sous la houlette de Jézabel, femme impie, femme païenne de parents sidoniens, qui avait été épousée par le roi Achab, roi d'Israël. Élie leur lancera donc un défi pour établir le camp de la vérité, le camp de l'adoration du véritable Dieu. C'est donc pour dire que le problème n'est pas propre à l'Afrique, mais l'Afrique doit faire face. Le chrétien africain doit faire face à cette situation. Alors, quand je parle de rapport entre le chrétien et les traditions ancestrales, j'ai à l'esprit, évidemment, les religions traditionnelles africaines. Parce que les pratiques culturelles et les pratiques cultuelles en Afrique sont fortement imbriquées. En réalité, la distinction entre le profane et le sacré n'existe pas dans les religions africaines, car les ancêtres et les morts, c'est-à-dire les forces spirituelles, participent fondamentalement à la réussite ou à l'échec des entreprises humaines. On retrouve des rites centrés autour des représentations matérielles de forces susceptibles d'intervenir dans le monde des humains. Dans les sociétés africaines, il existe un modèle cosmogonique, c'est-à-dire des récits relatifs à la création des sociétés, en trois parties. Le monde des hommes, le ciel et l'univers des ancêtres et des esprits. Et la frontière entre ces trois mondes,
et elle est poreuse. Et les activités de l'un rejaillissent sur l'autre. Les mythes fondateurs mêlent l'histoire et la religion. Ce sont ces mythes qui constituent le socle spirituel de nos valeurs culturelles. En somme, les religions traditionnelles africaines sont caractérisées par quatre éléments principaux. Premièrement, la croyance en un Dieu unique. Deuxièmement, le culte des ancêtres et des esprits. Troisièmement, la réincarnation, la croyance en la réincarnation. Et enfin, un aspect initiatique. J'aimerais qu'on puisse examiner chacun de ces points. S'agissant de la croyance en un Dieu unique, cet aspect ne semble pas antinomique avec la foi chrétienne, parce que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4, la Bible dit, « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique éternel, est le Dieu unique. » Donc le monothéisme est parfaitement compatible, je vais dire, une notion qui est familière à la religion chrétienne comme aux religions traditionnelles africaines. De même, dans l'épître de Paul à Timothée, il dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Cependant, le monothéisme présente dans les sociétés traditionnelles africaines un système de relations entre le monde visible des hommes et le monde invisible régi par un créateur, donc unique, et spécialisé dans des fonctions de toutes sortes, d'où les pratiques vivant à invoquer la médiation, donc des puissances intermédiaires qui sont des entités déifiées. Et c'est ce qui pose absolument problème. Car comme nous venons de le dire, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc la question du statut des intermédiaires, des médiateurs, des entités qui s'interposent entre la divinité et les humains, cette question-là divise fondamentalement les religions traditionnelles africaines avec le christianisme. En second lieu, le culte des ancêtres et des esprits. Dans les religions traditionnelles africaines, les ancêtres sont supposés exercer une véritable emprise sur les vivants. Le monde des ancêtres est peuplé par les esprits des morts. Ils représentent, comme nous le disions, des déités secondaires comme fils ou même filles du Créateur et qui s'occupent des affaires des hommes. Le culte des ancêtres est l'aspect clé des religions traditionnelles africaines. Ces entités du monde invisible habitent des animaux, des végétaux, qu'il convient de ménager à l'instar des esprits ancestraux. Mais, selon la Bible, il est fait interdiction aux chrétiens de pouvoir rentrer en contact avec les esprits. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, nous lirons deux passages, le chapitre 19 et le verset 31, il est écrit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En d'autres termes, le contact avec les esprits des morts, ou n'importe quel esprit en dehors du Saint-Esprit que Dieu nous a donné par la foi en Jésus-Christ, souille le chrétien. De même, en Lévitique chapitre 20, le verset 6, il est dit, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Nous voyons donc que dans la société juive, hébraïque, israélite,
le contact avec les morts était une faute grave, passible de la peine de mort. Troisièmement, nous avons la croyance en la réincarnation. Les mythes cosmogoniques africains mettent l'accent sur le temps cyclique, où les événements se répètent, les cosmos étant censés accomplir un cycle, puis enchaîner un autre, ce qui ressemble évidemment au cycle des saisons. Et dans une cosmogonie dont le temps est cyclique, la mort n'est qu'une interruption provisoire de l'existence. Le culte des ancêtres immortels, la croyance en la réincarnation, la certitude que la mort n'est jamais une disparition intégrale et définitive. Chers frères et sœurs, l'on ne peut pas être chrétien et croire en la réincarnation. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la notion qui est la notion biblique de la vie après la mort, c'est celle de la résurrection. Et l'apôtre Paul a dit que cette résurrection était le point clé de notre espérance. Parce que si Christ est ressuscité des morts, c'est que nous aussi, nous ressusciterons pour la vie. En Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, sans la résurrection des morts, notre foi est vaine. Permettez-moi de vous lire justement cet extrait du texte de 1 Corinthiens chapitre 15. Je lirai à partir du verset 12. Il est écrit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, sans la résurrection des morts, la foi chrétienne ne tient pas. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts pour être les prémices de la résurrection. Évidemment, aujourd'hui, les peines subies, les châtiments endurés, les persécutions vécues par les chrétiens n'auraient absolument aucun sens si la résurrection des morts n'existait pas. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que si c'est seulement dans ce monde que nous espérions en Jésus-Christ, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Un autre aspect par rapport à la cosmogonie africaine. Nous avons défini la cosmogonie comme l'ensemble des récits fondateurs d'une société, d'un peuple. Donc, cette cosmogonie africaine est également à l'origine d'une doctrine dans laquelle l'homme n'est pas victime d'un péché originel, ni n'est pécheur dans la vie courante. En corollaire, il n'est donc pas non plus angoissé par la mort, ni par le souci d'un statut individuel. La Bible, au contraire, nous enseigne que l'homme est pécheur à la naissance et encourt le châtiment éternel s'il meurt dans son péché. En Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, l'homme est pécheur à la naissance. Dans le psaume 51, David a dit « J'ai été conçu dans l'iniquité ». Chers frères et sœurs, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le péché originel est une vérité absolue. Personne n'apprend à un enfant à mentir, à cacher ses fautes, à accuser à tort son frère, à renier un méfait qu'il a commis. Ces choses existent en chacun de nous de façon intrinsèque. Elles font partie de la nature déchue de l'homme depuis la chute dans le jardin d'Éden. Je suis pasteur et j'ai des enfants. Et s'il fallait tenir compte de ce que l'homme n'est bon, je pense que mes enfants seraient des saints. Mais non, ils pêchent à la maison et je dois leur enseigner la parole de Dieu pour tuer le péché dans leur cœur comme le Seigneur l'a touché dans le mien
au moyen de la même parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, la religion africaine pose de véritables problèmes par rapport à la question donc de l'éternité. Nous acceptons Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pas pour entrer dans un cycle de réincarnation infinie. Nous passons donc au dernier point qui est l'initiation. Dans l'initiation, dans les sociétés traditionnelles africaines, il y a nécessairement un rapport avec l'au-delà, avec les esprits des morts, avec les ancêtres qui viennent communiquer d'une manière ou d'une autre des dons, des qualités aux vivants, aux humains. Le Seigneur nous a dit déjà, nous l'avons lu, que nous ne devons pas avoir de rapport avec ces entités-là. Les morts sont morts. Contrairement à ce qu'a pu dire un écrivain africain, Birago Diop, pour ne pas le citer, les morts ne sont pas morts. Les morts sont dans le bois, ils sont dans les ruisseaux, etc. Pour nous qui sommes croyants, ceux qui sont partis sont partis. On se rappelle même que du temps de Saül, il avait interdit pour appliquer la loi de Dieu qu'il y ait des personnes qui invoquent des morts dans tout le royaume. Parce qu'il doit y avoir une césure nette et claire entre le monde des vivants et le monde des morts. Certes, il y a aussi une forme d'initiation dans le christianisme. Et c'est, on va dire, le baptême, on va dire la Sainte Cène, dont certaines formes du christianisme, on parle des sacrements, qui constituent une sorte d'initiation par étapes. Mais nous qui sommes évangéliques, nous croyons que le Seigneur n'a laissé que deux ordonnances, la Sainte Cène et le baptême, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 11 et également dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Alors, quelle est l'attitude ou quelle doit être l'attitude du chrétien par rapport à tout cela? Ce que nous pouvons dire, c'est que le chrétien doit faire preuve de courage pour rompre avec les traditions ancestrales perverses et briser les liens maléfiques familiaux. C'est l'exemple que donne déjà Abraham en tant que père des croyants. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Nous devons avoir le courage de quitter les choses. Nous devons avoir le courage de Josias qui a dû affronter l'héritage impie de son père Amon et de son grand-père Manassé. Lui, il a commencé à chercher le Dieu de son père David, un ancêtre éloigné. Et nous voyons comment cet homme a été l'un des plus grands réformateurs, l'un des plus grands auteurs du réveil spirituel du peuple d'Israël. Nous devons cependant exercer le discernement, comme le dit Paul Mbunga Mpindi, qui affirme que les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux sont confrontés à la réalité de l'influence de leur culture d'origine. Nous tous, donc nous parvenons à la foi en Christ à partir des milieux culturels qui nous ont influencés depuis notre naissance. Tous sans exception, nous sommes le produit de notre culture. Notre réflexion doit porter sur le fait que nous devons utiliser la parole de Dieu comme un tamis pour extirper de nos traditions, dans notre façon de vivre, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, sans exception, notre foi qui se pose justement à la culture traditionnelle va nous amener à marquer, à tracer une ligne de démarcation entre ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. En tant qu'Africains, donc, nous devons valoriser nos traditions afin de ne pas perdre les éléments organiques qui sont féconds, qui sont positifs et qui constituent le socle sociologique et la courroie de transmission de nos valeurs et de notre mode de vie. Comme le dit le pasteur Pierre Célestin, le contact avec le monde moderne et ses multiples attraits ne devrait cependant pas nous amener à abandonner les éléments culturels, nutritifs qui forment la nasse de nos
tradition. Voilà ce que doit faire le chrétien. Il ne doit faire ni suivisme, ni preuve d'un rejet radical de tout ce qui n'est pas chrétien. Il doit savoir utiliser la parole de Dieu comme le miroir, comme le tamis qui permet de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous sur le chrétien et les religions ancestrales. Utilisons la culture, utilisons nos traditions qui sont positives pour renforcer notre mode de vie de chrétien. Car le christianisme est aussi un christianisme des Africains. Je vous remercie.